Hello, hello ma belle gang de Facebook. François ici, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans une belle grande forme. J'avais envie de prendre quelques instants avec vous pour prendre la hauteur pour euh, vous partager qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement qui va peut-être faire, peut-être que oui, peut-être que non, faire résonance en vous. Mais avant toute chose, fidèle à mon habitude, je vais m'en aller voir sur Facebook si je suis bel et bien là pour ne pas être dans le vide et faire euh, euh, ce live-là euh, à quelque part. Donc, si vous êtes là, faites juste me faire un petit coucou euh, pour me dire, oui, on est là, j'ai un, souvent un petit délai avec vous. Euh, des fois, c'est un 20 secondes, des fois, c'est un 30 secondes. Donc, ah, là, je commence à voir, on est une dizaine de personnes. Fantastique, donc, c'est sûr qu'on est ensemble. J'espère que vous allez bien. Faites juste me dire, hein, salut euh, Laura, je vois que tu es là. Salut Gabriel, c'est bon de te voir. Salut Daniel, donc, ça commence à rentrer tout doucement. Euh, je ne sais pas dans quelle phase de vie vous vous trouvez. À moi, présentement, ici, là, c'est le gros brouillard. J'habite en haut de la montagne. C'est le gros brouillard depuis ce matin. On ne voit absolument rien. Et c'est très, très rare que ça arrive euh, longtemps comme ça. Et c'est aussi ça, la vie. Ça fait aussi partie de la vie. Hein? Il y a des, 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 des tempêtes de temps en temps. Des fois, c'est le soleil de temps en temps. Des fois, c'est la clarté. Je vois très, très loin. Des fois, c'est des arcs-en-ciel. Des fois, c'est un soleil avec des nuages. Des fois, c'est euh, un coucher de soleil rose, orange. C'est. C'est la vie. That's live. That's live. C'est la vie. La vie est changement. La vie est mouvement. Et, euh, et euh, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui dans ce live-là. J'ai plusieurs petits points. En fait, je fais un live pour moi finalement. J'ai envie de passer un temps avec vous. Je ne sais, sais pas combien de temps qu'on va passer ensemble. Je ne sais pas exactement c'est quoi le message qui va passer. Mais c'est juste que ce matin, j'avais dit Ok, je préfère un beau petit coucou à ma, à ma belle communauté euh, sur Facebook. Euh, je vis de belles choses présentement. Euh, premièrement, je vieillis. Hein, je vieillis. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, là, mais moi, je suis rendu à 45 ans. Ouais, je suis rendu à 45 ans. Je suis un grand garçon maintenant. Donc, euh, depuis hier, hein, euh, j'ai eu 45 ans. Ça fait 45 cycles. Pensez-y, ça fait 45 cycles. C'est beaucoup. En même temps, c'est pas beaucoup. Donc, ça fait 45 cycles euh, que je vis. 45 cycles d'un an. Quar le 45 cycles... Je sortais de ma mère. Poc! hein Et j'étais le quatrième euh, de, 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 de ma famille, en fait. Ma mère, ma mère et mon père, ils ont tout donné pour faire le dernier. Donc, euh, j'étais le quatrième. Et ça fait 45 cycles que je vis euh, euh, printemps, été, automne, hiver. Ma fête, c'est le 21 juin, donc euh, la, 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 la plus longue journée, la, la journée la plus lumineuse euh, de, 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 de l'année, où est-ce que le plus de lumière de l'année? Et aujourd'hui, mais hey, on, on, on est déjà en train de perdre de la lumière. Alors, on sera pas trop négatif avec ça, mais euh, la, 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 le soleil décroît, en fait, la, la, la luminosité décroît à partir de maintenant, même si l'été commence aujourd'hui. Donc, premièrement, merci à tous ceux et celles qui avaient pris le temps. Euh, de me souhaiter bonne fête sur euh, nos différentes communautés, le Lab Reset et Ubuntu, et sur ma grande communauté, ma page. Honnêtement, euh, j'ai pris beaucoup de temps tout à l'heure pour répondre cet avant-midi, euh, pour répondre, pour dire merci aux gens et tout, mais je ne suis même pas arrivé à passer au travers de tout ça. Et c'est un des points avec lesquels je voulais vous partager ce matin. J'ai plusieurs points, mais celui-là, c'est un de, de, de ces points-là. C'est que euh, c'est drôle parce que il quel, quelques jours, je faisais un live sur ma communauté Ubuntu et je leur expliquais, euh, euh, je leur expliquais le grand piège en ce moment des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte présentement, ce qui n'était pas là le deux ans, le trois ans, le quatre ans, le cinq ans, le dix ans. Où est-ce qu'il y a beaucoup de talents qui se brûle, il y a beaucoup de potentiel qui se brûle parce qu'on est esclave de ça, ces belles machines-là. Hein? On est esclave d'aller voir les likes, les commentaires et tout ça. On passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il y a du bon, il y a du mauvais, du mauvais comme dans tout. Hein? Il, y a, il y a du bon pour nous. Moi, je me sers des réseaux sociaux pour fédérer, pour mobiliser, pour réveiller. Pour éduquer, euh, pour partager, pour prendre de la hauteur ensemble, pas pour créer des followers, mais créer des, des, des gens qui vont s'éveiller, qui vont être euh, leaders de leur propre vie et qui vont avoir un impact sur euh, leurs clients, leurs étudiants, leurs enfants, le, 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 leurs parents et tout ça. Donc, euh, juste éveiller la conscience humaine. Mais si on est honnête avant nous puis on ne fait pas attention à ça, mais on rentre dans un puits sans fin. Et on développe et le problème n'est pas juste qu'on rentre dans un puits sans fin, sans fond, mais le, le, le problème c'est qu'on développe des mécanismes. Hein? On ne se rend pas compte qu'on devient on devient sur des. des, des on est des, des êtres qui fonctionnent sur le pilote automatique, là. faut en être conscient. Si, euh, 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 si tu pardonnes, si tu aimes, si tu es dans une énergie de bienveillance, si tu mêles de tes affaires, si tu te calmes, c'est un pilote automatique que tu as développé avec le temps. Mais ça, c'est un pilote automatique de reprendre notre téléphone régulièrement, régulièrement, régulièrement. À un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on on a beau être un être hyper intelligent, un, un être hyper talentueux. On peut littéralement brûler notre potentiel parce qu'on est devenu esclave, addict au téléphone, donc au mécanisme qu'on a créé, addict à la reconnaissance, addict au like, addict à avoir peur de ne rien manquer. Et on ne se rend pas compte de ça à quel point que les réseaux sociaux, la gang, et c'est loin d'être un discours défaitiste que je veux faire, c'est juste un discours éveillé un peu à quel point qu'on peut être. Contrôlé par ces fameux réseaux sociaux-là si on n'est pas vigilant. Et ça va pas aller en diminuant parce que là on a Facebook, on a Instagram, on a YouTube, on a TikTok, il y a, a, a Tlubhouse, il y a plein de choses qui vont sortir tout le temps, ça va toujours continuer. Quand il y en a un qui va diminuer, il va en sortir un autre. C'est toujours comme ça, c'est comme ça qu'on. C'est comme ça que ressemble un peu euh, le, le, le monde d'aujourd'hui. C'est ça qu'on nourrit. C'est pour ça que la bête grossit, grossit, grossit. Et le problème n'est jamais à l'extérieur, mais plutôt notre posture face à ça, notre façon de gérer les médias sociaux. Hein? On n'a pas à, 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 à pointer, à juger quoi que ce soit. Ce que l'on vit à l'échelle de l'humanité, c'est l'équivalent de la conscience humaine en ce moment. Okay? On, on, à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités d'être humain et dire, OK, qu'est-ce que je veux voir dans le monde? En avançant, le web et tout ça va pas nécessairement diminuer. Il va se transformer, c'est clair, comme tout se transforme. Il n'y a rien qui ne se transforme pas, mais il va pas nécessairement diminuer. Il va falloir éveiller notre conscience et agir intelligemment avec le web et se dire, OK, parce que, tu sais, pour moi, dans ma tête, c'est, imaginons on, la grande bulle de, 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 comment expliquer ça, de l'expérience humaine, et dans cette bulle-là, imaginez comme s'il y avait un zip, hein? un, une fermeture éclair, que tu ouvres comme ça et tu te mets la tête dedans et là tu rentres dans le web. Hein, une metaverse qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui. Et ça c'est un monde infini. Imagine si tu veux que ça soit clean, imagine si tu veux avoir répondu à tout le monde, imagine si tu veux euh, être à jour là-dedans, euh, dans les connaissances, dans les formations, dans les commentaires, dans les vidéos, ben tu passes littéralement à côté de ta vie parce que tu n'y arriveras jamais. Tu jamais assez de temps dans ta vie pour tout comprendre, pour tout connaître, pour faire un suivi, pour garder ça propre. Jamais. Pas dans le Metaverse, pas dans le, le, le monde du web. Il va falloir qu'on apprenne à ouvrir ce zip-là, à y aller de temps en temps, mais de comprendre que la vie, c'est ici que ça se vit. Hein, moi, je souhaite de tout cœur que tout ce monde-là avec les lunettes virtuelles, euh, ben que ça floppe. Hein? Et ça sera ce que ça sera finalement. Mais... Euh, 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 on, euh, La clé à la gang, c'est ici maintenant. Et plus qu'on va développer des mécanismes pour fuir la réalité, plus qu'on va se perdre comme humanité. Plus qu'on va se perdre en, dans un couple. Plus qu'on va se perdre comme entrepreneur, plus qu'on va se perdre comme papa, plus qu'on va se perdre comme enfant, plus qu'on va se perdre comme employé, comme euh, peu importe. Plus qu'on va ouvrir le zip, en fait, puis regarder dans le monde virtuel, plus qu'on passe l'attention là-dessus, plus qu'on se déconnecte. On se déconnecte de la présence, de la vérité qui est ici, et on baigne dans un monde d'illusions où est-ce qu'on est facile à contrôler, puis c'est des peurs, puis c'est des sensations, mais en même temps, il n'y a, euh, a pas rien d'ancré en puissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'éduquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se nourrir. Mais, vous savez ce qui se passe avec nous présentement, la, la gang, ceux et celles qui sont avec moi, j'ai du monde, ouais, j'ai 300 personnes avec moi présentement c'est qu'il n'y a pas personne qui a marché avant nous ce chemin-là. Il n'y a pas personne. On n'a pas un frère, on n'a pas une soeur, on n'a pas un père, une mère, un oncle, euh, euh, un entrepreneur, un gouvernement qui a marché le chemin que l'on marche présentement avant nous. On est les, pr on est les premiers dans ce web-là. Et qu'on voit grandir avec des influenceurs, avec des gens comme moi qui vendent des formations, avec euh, 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 TikTok, Instagram, YouTube, euh, euh, avec toutes ces mille et vidéos-là, cette information qui grandit. Hein? C'est une donnée que je vous ai partagée plusieurs fois, mais ça doit avoir changé depuis. C'est euh, Larry Page, le fondateur de Google, et ça fait longtemps. Là, je pense que ça fait deux ans, trois ans que j'ai vu cette donnée-là, cette vidéo-là, qui disait qu'aujourd'hui, là, ça doit être encore plus que ça. Aujourd'hui, hein, il, il existe sur la planète à tous les deux jours, écoutez bien ça. À tous les deux jours, il y a cinq fois plus d'informations sur la planète que de l'année 0 à l'année 2006 réunies. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça, 2003, 2004, 2005, 2006. Tout ça là, les 24 heures, les 365 jours de l'année 0 à l'année 2006, tu réunis ça tous ensemble. À tous les deux jours, donc dans deux jours, il va y avoir cinq fois plus d'informations que ça. Encore dans deux jours. Deux jours après, encore cinq fois plus de formation. Ça ne fait que grossir. Ça ne fait que grandir de l'information. Et c'est ce qui fait qu'on devient rapidement saturé. Et, et plus que de la saturation, saturation égale déconnexion. Déconnexion de la vérité. J'ai jamais vu quelqu'un devenir saturé en regardant une plante. On devrait faire des vidéos. J'aurais faire des vidéos YouTube, des vidéos Facebook, là. Pendant 30 secondes, 30 minutes, ah, hein, ma cocotte, faut, 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 faut que je donne de l'amour un peu, hein, à celle-là. Pendant une coupe de minutes, on regarde les plantes. Juste ça, là. Il y a des fleurs, là. Regarde, regarde la nouvelle pousse, Regarde des belles fleurs. José, c'est toi qui m'écris. Si tu étais sur le, le live, José, mais c'est ton cadeau. C'est le cadeau que tu me fais ça. J'ai jamais vu quelqu'un se saturer en regardant un ruisseau. Couler en écoutant un ruisseau. J'ai jamais vu quelqu'un devenir saturé littéralement en regardant un bébé rire. J'ai jamais vu quelqu'un devenir saturé littéralement en regardant un paysage, en regardant le brouillard, en contemplant. Jamais. Et plus qu'on contemple, plus qu'on apaise, plus qu'on crée de l'espace, plus qu'on rebranche, on connecte, on entre, on aligne on, et, et on se connecte à plus grand. clé c'est l'instant présent. Alors, dans les derniers temps, dans les derniers mois, je me rends compte, je me dis, my God, je participe à une industrie qui emmène qui le monde à se perdre. Puis en même temps, c'est pas grave, il n'y a jamais rien de grave, la gang. Je ne pensais pas partir là-dessus, ça la bel je parle là-dessus. Il n'y a jamais rien de grave. Il n'y a pas rien de grave. C'est juste de l'éveil. La vie, c'est juste de l'éveil. Mais je m'observe, je me dis, fuck, je participe à une industrie. Moi, je veux éveiller les gens, mais je les emmène à être des followers. Je les emmène à. Faut-tu que me suives sur TikTok, Instagram, YouTube? Faut -tu... Faut... Et, et, et en fait, je veux créer des. on, on crée C'est pas grave, beaucoup de compassion pour le dessus. François, hein? je fais de mon mieux avec les outils que j'ai, mon niveau de conscience et d'intelligence, et mon niveau de conscience et d'intelligence évolue, se purifie. Puis à un moment donné, il va falloir dire OK, un peu comme société, qu'est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on veut voir hein? des enfants, et je vais en parler tout à l'heure, des enfants esclaves de ça? Parce que c'est nos employés de demain. Mais ils ne tombent pas bien, là. Et là, on est en train de payer le prix sur les années passées. Qu'est-ce qui est en train de se produire présentement? Pénurie dans plein de domaines et tout ça. Et c'est loin d'être fini, la gang! On a eu du COVID qui a passé. On a eu des crises qui ont passé la pandémie. Mais attends, il y a la prévague. Elle est en train d'arriver à pleine face à tout le monde. Mais ce pas grave. Parce que la vie, elle a toujours été ainsi. Il y aura toujours des crises, crise après crise après crise, gestation, espace, maturation, mutation, transformation, souffrance, jouissance. That's life! C'est la vie! C'est la vie! Mais, mais, mais de temps en temps, c'est comme si on, on est né tellement dans le caca qu'on ne prend pas de la hauteur pour observer ce qui est en train de se passer. Et, 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 et mon ami Gandhi, puisque vous savez que Gandhi, c'est un, un de mes bons amis un de mes amis, ben pas un de mes amis mais Gandhi, Gandhi disait incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Pas dis aux gens ce que tu veux voir dans le monde. Pas répète ce que la Bible a dit, pas répète ce que le Coran a dit, pas répète ce que les influenceurs sur le web disent. » ou encore moins ce que François Lemay dit. Incarne. Incarne. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Est-ce que moi je veux faire 20 vidéos sur TikTok par jour Est-ce que je veux, je veux créer plein de followers Est-ce que je veux dire suivez-moi, 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 aimez-moi, aimez-moi, faites des likes, faites des likes Fuck non. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je veux voir, voir moi de davantage de gens conscients, présents, engagés à se nettoyer, à créer un monde meilleur, à nettoyer leurs blessures, leurs limitations, à s'ouvrir à leur potentiel, à apprendre à se guérir, à se pardonner, à honorer le divin qui coule à l'intérieur d'eux. Mais pour ça, il faut que j'agisse consciemment. Oui, faut que j'agisse dans ma vie, mais même sur le web, faut utiliser les choses consciemment. Parce que si on emmène tout le monde dans la tranchée, dans, 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 dans le monde virtuel, ouais, génial, tu vas pouvoir, hey, là, là, bientôt, là, la gang, on va pouvoir acheter des terrains dans le monde virtuel. Il y en a plein de monde qui sont contents, sont très heureux, puis on va pouvoir faire de l'argent de l'autre côté. Et ça, c'est des quêtes de... de, de, de... C'est correct, tout ça existe, il Va falloir, il va falloir le, 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 le reconnaître accueillir ça, accueillir que chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'il a sur niveau de conscience d'intelligence. Mais à un moment donné, va falloir, comme société, qu'on commence à se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut voir Parce que les gouvernements, c'est l'équivalent de notre conscience. Ce qui se passe sur le web, c'est l'équivalent de notre conscience. Ça peut pas, ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement! Demandez-le à plusieurs et vous l'aurez. Hein? Si tu focuses, si on en est plusieurs à focuser sur quelque chose que l'on veut ou quelque chose que l'on veut pas, c'est exactement ce que l'on va avoir. Là, on est une humanité qu'on a, On a créé ça et j'y ai participé. J'ai nourri la bête plus souvent qu'à mon tour. And it's okay, je m'incline, je me pardonne, je me vois, moi, le petit. But it's okay. But it's okay. Je me suis vu, moi aussi, esclave de tout ça. Pis, le, 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 moi, là, je suis pas. Oh, on veut être euh, souverain au travail. Non, 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 non. On veut juste s'éveiller. On veut pas séparer les capitalistes, pis les pas capitalistes, les spirituels, pis les pas spirituels, les mangeux de viande, puis les pas mangeux de viande, puis les souffrants, pis les éveillés. Non, c'est rien. On, on comprend rien quand on fait ça. On grandit tous ensemble. C'est impossible de, que l'humanité grandisse juste d'un côté, pas de l'autre. Ça va être un débat. C'est ce qui est en train de se passer de toute façon. Oh, catholique, bouddhiste, musulman, athée, capitaliste, euh, 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 génie créatif, dépressif, euh, euh, tout ça, là, On va s'éveiller ensemble. Puis on va apprendre à se connaître ensemble. Parce que les millions de personnes qui sont sur la planète, c'est des millions de perceptions. Et on a des milliards, en fait de perception. Et on a besoin de tous ces génies créatifs-là, de tout ce divin qui perçoit la vie, mais on a besoin de se donner la main et de co-créer. Co et, et, et se perdre comme euh, société, c'est essentiel. Se perdre comme couple, c'est essentiel. Se perdre, se perdre comme individu, perdre le sens de notre mission, de notre vision comme entreprise, c'est essentiel. Parce que c'est quand on se perd qu'on se retrouve. La, la challenge avec l'humanité, c'est que c'est qu'au lieu d'être sûr, exemple, moi aujourd'hui j'ai 45 ans, puis admettons que j'ai envie 90, 110, 80, 20, euh, 47, je ne sais pas. C'est pas long. C'est comme une petite fenêtre. L'humanité, c'est plus long. Les transformations sont plus longues. Mais c'est exactement les mêmes choses que dans la nature. Je sais pas si vous voyez ici. Je pensais vraiment pas partir dans cette direction-là, mais ça, je pensais vous parler du bal de finissant, de mon garçon. Et on s'entend-tu qu'on est ailleurs, mais quand je sais que je vais vous parler, c'est parce que ça cogne. Hein? Puis quand ça arrive, ça arrive. Ça, ici, là. Il okay? y a une fleur qui va sortir de là. OK? Mais cette fleur-là, là, est dans son processus de gestation. Présentement, on pourrait dire, mais Moi, je crois pas une fleur, c'est loin d'être une fleur, ça, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça, c'est homme de peu de foi. Moi, je crois pas à ça, une fleur. Ça n'a pas de fleur. J'en vois pas de fleur. Pourquoi que ça serait une fleur? Ça pas de bon sens. Moi, je le sais par la sagesse, parce que j'ai déjà vu des fleurs. Hein? La sagesse de l'expérience, que j'ai ramassé de la connaissance, que j'ai appris à comprendre, que j'ai appris c un, un cycle. Ça, c'était une fleur. La fleur, elle est partie ici. Vous ne voyez pas ici, là. Je suis vraiment en train d'enseigner mes plantes, mais oui, je ferai tout le temps ça, moi. Mais là, présentement, là, là, elle est en mutation. Elle est en transformation. Okay? Mais avant que la fleur, sorte, là. Il va avoir ce qu'on appelle contraction. Grosse résistance. Et après la contraction, quand la contraction ne sera plus tolérable de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir comme une petite fracture. Woo! Et là, je vais faire mon imitation de fleurs. Tenez-vous bien. Woo! Et là, la fleur va euh, fleurir. Et là, on va dire: Oh my God! Tellement beau, regarde la plante comme elle est rendue exceptionnelle. Eh oui, cela aussi changera. Parce qu'un jour la fleur va faner, comme les fleurs, les, les feuilles ici en dessous. Un jour la fleur va faner. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant c'était une bonne fleur, elle était gentille, elle donnait de la beauté, elle méritait pas ça. Chris, c'est la vie, c'est la vie. Faut arrêter de penser qu'on mérite, qu'on mérite pas. Comment? On, On est vivant, la vie fluctue, se transforme, s'éveille à travers nous. Mais cela aussi changera. Il a rien qui change pas, c'est la plus grande vérité. Mais je, te, je vous le jure, puis je vous offrirai un autre live qui va y avoir des belles fleurs qui vont naître de ça, la gang. Alors pourquoi je parle de ça? Mais parce que là, on, on, est, on, on arrive dans... On, on... La bouture là, qui est là, puis ça a comme de moins en moins de sens, puis c'est dur. Puis là, la gang, il va, il va se passer plein de choses là, sur la planète. Il va y il va avoir d'autres virus sur la planète, d'autres pandémies sur la planète, des, des crises financières sur la planète, il va y avoir l'effondrement de certaines structures. Mais c'est la vie! C'est la vie! Soit qu'on a peur de tout ce qui est en train de se passer, ou soit qu'on est assez intelligent et conscient pour dire, hey, c'est le vivant! Puis à chaque fois dans toutes les phases de l'univers, on a été protégé, on a été nourri, on a été guidé, on a été porté par une énergie, une énergie beaucoup plus grande. Mais c'est plus important que jamais de s'incarner dans notre foi la gang. Puis d'incarner dans, dans ta foi, c'est pas de t'en aller à l'église à tous les jours pour allumer des lampions pour dire s'il vous plaît, sauve-moi. Tu es déjà sauvé, tu es déjà sauvé. Faut juste éveiller ta conscience. Viens jouer, tu en train de jouer dans un monde en changement dans un monde en contraction, dans un monde en perte de sens. La réalité, ta job à toi, c'est de t'occuper de créer le jardin que tu as envie de voir. Arrêter d'être esclave d'un système... Que tu penses que tu n'as pas le choix, ça, c'est la déresponsabilité ultime. Te gagner ton billet pour venir jouer dans le jeu de la vie, ta job à toi, c'est de te rappeler qui tu es et d'utiliser ton pouvoir de création pour manifester une vie pleine de sens de conscience. Il va falloir constamment que tu t'adaptes, constamment. That's life, c'est la vie, la gang, c'est la vie. Il va falloir que tu t'adaptes à ce monde en changement. Et le moment que tu es toujours en train de juger ce monde, c'est parce que tu es déconnecté c'est parce que tu la tête dedans en train de faire tes trois pauses par jour, tes cinq pauses, passer quatre heures, cinq heures sur Instagram, sur Facebook, tu te dire comment je vais faire pour y arriver, puis ça n'a pas de bon sens, puis il manque quelque chose, puis te comparer avec ton ami qui s'en va euh, faire des beaux voyages avec ses enfants, puis que l'autre euh, euh, a mangé un beau steak, puis des ailes de poulet, puis là tu te dis, ouais, mais moi je mange pas de steak, puis des ailes de poulet, puis ça n'a pas de bon sens » Là, tu es rentré dans un monde purement illusoire, tu t'es comparé, tu pas à la hauteur, tu trouves que ça n'a pas de sens, Puis là, tu es rendu addict, tu sais pas qu ce qui est en train de se passer, tu es toujours en train de faire ça, Puis là, ça ne va pas bien, as que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, là, tout d'un coup, on t'offre. Oh, tu devrais t'acheter ça, tu devrais aller en voyage, tu devrais acheter une formation, et là, tu, ta vie, elle va pas très bien, fait que tu consommes. Et là, tu es pris, tu es esclave, tu es esclave d'un grand jeu. Mais c'est pas grave, C'est pas grave, faut juste que tu sois conscient, de, des mécanismes qui sont là. Puis y a pas, on n'a pas à tomber. Moi, moi ma job là, la gang, c'est pas de vous dire comment vivre, mais pas du tout. S'il y a quelque chose que je que je déteste, c'est quand quelqu'un me dit comment vivre. Est-ce que j'ai ça Est-ce que j'ai ça Moi, quand je m'en vais magasiner là, si tu veux que j'achète, laisse-moi magasiner tout seul, ok Attends-moi pas sur le bord de la porte là, du magasin là, parce que je ne vais pas rentrer dans le magasin. Quand je qu'est-ce que je vais vendre Non, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Et quand je vais avoir besoin d'aide, je vais te demander, hey. -tu aider? Et là, je te jure que tu vas être la meilleure personne pour moi. Mais si tu viens me ramasser au début, quand que je rentre dans le magasin parce que tu veux me vendre quelque chose, tu m'auras pas. Moi, là, je ne veux pas vous vendre quoi que ce soit. Ce live-là, n'est pas vous vendre quoi que ce soit. Ma job à moi, c'est d'éveiller les consciences et de réfléchir. Je suis loin d'être l'éveilleur qui comprend tout. Non, moi, je marche mon chemin. Je marche mon chemin. De temps en temps, j'ai nourri des bêtes. Puis à un moment donné, je me rends compte, oh my God, ce que c'est je fais là? Et c'est correct, ça m'a à un certain point. Toutes les quêtes sont bonnes. Toutes les chemins. Tous ces chemins sont bons. OK? Tous les chemins sont bons. Il n'y a rien qui n'est pas mauvais. Il a rien qui n'est pas mauvais, ça se dit. Il n'y a rien qui n'est pas mauvais, rien qui est bon. Peu importe. Comprenez? Si vous comprenez, tant mieux, parce que moi, je ne comprends pas. Calme-toi, François. Peu importe notre façon d'agir, la gang. Ce pas grave. Il n'y a rien de grave. Tout ça, c'est de la grande illusion, ce grand jeu de la vie-là. Cependant, il faut être honnête envers soi. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je suis un papa. Puis mon gars, a le don de me le dire. Ah, oh, ça, c'est des pantalons de papa. Ah, ça, c'est des. Euh, euh, des tongs, des sandales de papa. Ah, ça, c'est beau tes c'est des souliers de papa. Ah, c'est comme. <laughs> Puis il me fait rire, je fais comme je suis rendu un papa. J'ai 45 ans. Je suis véritablement rendu un papa. Mais oui, je suis un papa. OK? Il y a des choses que. Chaque personne, à chaque instant, fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience, d'intelligence. Ça, c'est important de le comprendre. J'ai tout ça ici, pas loin, que je pourrais vous partager. Euh, OK, je dois l'avoir ici. C'est le moment d'attente bien volontaire de ma part. Bingo! Voilà ici, et je m'en viens ici. Boom. Chaque personne, et c'est important de garder ça en tête, la gang. Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience, d'intelligence du moment. Ça veut dire quoi ça? Si je dis que moi j'ai nourri la bête, puis là je commence à me rendre compte que c'est fou qu'est-ce qu'on est en train de créer, puis c'est fou qu'est-ce qui est partagé dans le marketing, puis c'est fou à quel point que des... On, 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 pff, je ne veux, veux pas pointer quoi que ce soit, mais on, on développe des gens qui sont stratégiques pour avoir encore plus de communauté, puis on ne se rend pas compte qu'on travaille pour... Instagram, Facebook, YouTube, Google, Amazon et toutes ces affaires-là, puis on ne se rend pas compte dans quoi qu on, on est en train de s'embarquer. Aujourd'hui, si je commence à me rendre compte de tout ça, ben c'est parce que mon éveil de conscience est davantage libéré. Avant, je faisais du mieux que je pouvais avec les outils que j'avais, mon niveau de conscience et mon niveau d'intelligence. Je vais juste la mettre plein écran comme ça pour que vous puissiez en prendre une photo si vous voulez. Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. C'est impossible de ne pas faire de notre mieux. C'est impossible. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe la crise que ton enfant a fait, que a fait de t'a faite, que tu as fait de crise à ton enfant, peu importe ce qui se passe dans la vie, tu fais de ton mieux avec les outils que tu as à ta disposition. Hein, donc, l'éducation de ton esprit. Avec les outils que tu as à ta, ta disposition, ton niveau d'éveil de conscience, parce qu'on a toujours la conscience endormie, j'ai encore la conscience endormie. Je marche vers ma purification, mais il y a encore plein de subtilités de ma conscience qui sont endormies et c'est là le jeu. Le jeu, c'est de se rappeler qui nous sommes, le jeu, c'est de se dépouiller de cette conscience endormie-là, un peu comme un oignon, qu'il y a des couches qui s'en vont. Ok, moi c'est ce que j'enseigne, c'est ça la pleine conscience. J'enseigne les gens à libérer, à enlever les voiles, à sortir de l'illusion, à se rappeler leur nature profonde. Mais j'enseigne ce que je connais comme chemin, mais je suis encore en train de marcher mon, mon chemin. Donc chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, avec son éveil de conscience et son niveau et son niveau d'intelligence du moment. On peut pas faire de, 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 on peut pas faire moins bon que notre mieux. Donc, si quelqu'un va dire oh Non, non, mais je sais que j'aurais pu faire mieux, mais pourquoi tu ne l'as pas fait Mais j'ai manqué de vigilance. Mais tu as fait de mieux, du mieux que tu pouvais avec ton niveau d'éveil de conscience et ton niveau d'intelligence. Si tu as manqué de vigilance, parce que tu as fait de ton mieux avec ton intelligence et ton éveil de conscience. Parce que si tu avais la vigilance de la tu n'aurais pas agi comme ça. Hein? Si tu avais l'intelligence de quelqu'un plus éveillé, en fait, tu n'aurais pas agi comme ça. Oui, mais je sais, je suis capable de faire mieux. Oui, mais pourquoi tu l'as échappé? Bien, parce que j'ai succombé à la tentation, à mes addictions. Mais oui, mais c'est parce que ton intelligence est encore un petit peu endormie ou ton, ton, euh, plutôt ton éveil est encore endormi? Parce que si tu étais pleinement éveillé, pleinement consciente, pleinement vigilant, tu pas agi comme ça? Vous comprenez? Tout le monde, ton père, ta mère, ton frère, le gouvernement, Poutine, euh, 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 les, les sociétés pharmaceutiques, euh, je ne sais pas moi, François Lemay, toi, on fait tout de notre mieux avec les outils que l'on a, notre niveau de conscience, notre niveau d'intelligence du moment. Notre job, c'est d'apprendre à se connaître à travers les 8 milliards de perceptions. Parce que ces 8 milliards de perceptions-là, ce sont 8 milliards de chercheurs et d'expérimenteurs. Ça se dit-tu ça? Moi, je le dis, moi, je le dis. Hein? de chercheurs, de, 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 de gens qui expérimentent quoi? Le vivant. Il n'y okay? a, a pas de guide pour jouer dans ce grand jeu de la vie-là. C'est quoi le guide? C'est la sagesse de l'expérience directe. C'est quand je fais des erreurs, quand je me secoue, quand je me relève, quand je recommence, quand je regarde des gens, je leur vois faire des erreurs. Erreur, ça veut dire quoi? Erreur, ça veut dire créer une cause qui va amener un effet que je ne veux pas. Mais la vie, il n'y a jamais d'erreur dans la vie. La vie est toujours causalité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, cause à effet. Ce que tu fais, l'effet que tu as, c'est l'équivalent de la cause que tu portes, que tu es. Tout le temps, la vie n'est pas ne choisit pas si tu es bon ou mauvais, la vie elle est. Elle est pleinement complète. My god, je ne pensais pas m'en aller là-dessus aujourd'hui. La vie elle est pleinement complète. Elle est elle est parfaite, elle est complète, il manque absolument rien. La vie fait pas d'erreurs. La vie elle est parfaite à chaque instant. La vie elle répond à notre résonance, à notre conscience. La vie que l'on expérimente en ce moment woohoo, est l'équivalent de notre conscience. Tout le temps, 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 tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Alors, la job, c'est d'apprendre à se connaître et on veut apprendre à se connaître. Moi, ma gang du Lab Pleine Conscience, ma gang de Reset, ma gang d'Ubuntu et ma belle grande gang sur les réseaux sociaux que vous êtes ici présentement. Ça, c'est moi avec ma gang, hein, ma, ma, mes, mes différentes communautés. On veut éveiller parce que nous, on a l'intention d'apprendre à se connaître, l'intention d'apprendre à se libérer et à, à, à se guérir et à transformer le monde, à vivre une vie pleine de sens et de conscience ici dans le type de communauté que j'ai, que je fédère, le message c'est d'abord et avant tout, commence par toi. Arrête de pointer ton frère, ta mère, ton père, l'argent, les capitalistes, arrête de faire ça parce que tu pointes une partie de toi que tu ne tolères pas, tu restes souffrant. Donc, ce que j'enseigne, c'est la pleine conscience intégrative. On commence par se libérer nous-mêmes avant de voir le reflet de, 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 de qui on peut devenir. Donc, il suffit de se nettoyer pour incarner à une autre échelle. Cependant, on est peu. Donc, il y a des, on va dire des centaines de milliers de personnes dans tout et partout. Puis si c'est revu, c'est partagé, on va dire que des millions de personnes dans un mois. Donc, le reach, le reach que je peux avoir quand je fais des lives, un reach, on va dire, de 2 millions de personnes par mois. Mais c'est rien, ça. C'est rien ça. C'est rien parce que ton père, ton cousin, ta mère, hein, ton grand-père. Euh, euh, la, le propriétaire de l'épicerie pas loin de chez toi, euh, euh, tes collègues de travail, il y en a d'autres êtres humains. Et la job, c'est pas qu'ils m'écoutent. La job, c'est qu'ils t'observent. Et que toi, tu incarnes le changement que tu veux voir dans le monde. Si t'observes, tu es aussi un enseignant. On est tous le guide et l'enseignant. On est tous l'enseignant et l'étudiant de quelqu'un. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais il faut prendre notre responsabilité, la gang. Puis il faut arrêter de dire ouais, c'est comme ça que la vie devrait se passer. Mais plutôt dire, OK. Ce que je suis en train d'expérimenter présentement, là, pour moi, ça ne fait pas de sens. Moi, quand que je regarde le présentement, là, je m'en vais, par exemple, sur TikTok. Okay? Je ne l'avais pas, ça fait, ça fait pas longtemps que je l'ai. Et là, je m'en viens voir sur TikTok où est-ce que mes enfants passent du temps, de quelle façon qu ils sont éduqués. Vous savez, TikTok, là maintenant, c'est des vidéos de 10 à 15 secondes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'attention. Les gens n'ont plus d'attention. Les gens n'ont plus d'attention à regarder une plante 15 secondes, Chris. La vie est plate en table. J'aime bien mieux regarder une fille qui se monte les fesses comme ça et qui dit Oh my god, hier soir j'ai couché avec trois gars en même temps pis Mais c'est ça qui éduque notre société! Mais c'est pas grave parce que notre société, c'est nous. Mais est-ce que je vais contribuer à ça présent après? Est-ce que c'est ça que je veux voir fleurir? Parce que bientôt, on va se ramasser et on va dire Moi je suis vide, je trouve tellement que ça n'a pas de sens, tout le monde là, tout. Mais c'est le jardin que tu as cultivé! Et, et, et c'est important d'être conscient de notre rayonnement, de ce que l'on donne à l'humanité. Puis le but, c'est pas d'être frustré. Le but, c'est pas d'être frustré sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, c'est plutôt de dire « ça l'emmène résistance maintenant, qu'est-ce que je fais moi pour améliorer qu ce que je suis en train de voir? » C'est pas de dire « moi, je ne vais pas sur TikTok, oh, moi, ça n'a pas de bon sens, c'est ma fille qui a... Non, parce que là, on est en train de rejeter un monde. Mais si on, est, on apprend à l'accueillir, dire OK, le monde est en transformation. Le monde s'en va dans un mur littéralement. Le monde ne s'en rend pas compte littéralement. Parce que qu'est-ce que je fais, la gang, au quotidien avec vous Avec ma gang qui m'entoure Je fais juste, moi, si je reviens ici, qu'est-ce que je fais, moi OK, j'ai-tu un crayon aussi Ouais. Moi, là, au quotidien, là, ce que je fais avec ceux et celles qui sont dans mes formations, là, moi, là, je suis ici. Moi, je donne des outils. De prendre la hauteur, de s'incliner, de, de s'adapter, hein, d'offrir la meilleure réponse adaptative, de faire la paix avec son passé. Moi, je fournis les outils. J'aide les gens à mieux se comprendre et à éveiller leur conscience constamment. Leur intelligence, je ne peux pas rien faire. Okay? Mais je fournis les outils et l'éveil de conscience constamment. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'il va y avoir une grosse récession qui s'en vient. C'est clair. C'est sûr, sûr, sûr. Ça s'en vient comme un train à grande vitesse. Ça va nous ramasser. Mais ceux et celles qui vont avoir les outils qu'ils vont avoir là. La, les récessions, c'est pas pire que d'autres choses, là. Mais il y a du monde qui vont souffrir, il y a du monde qui vont mourir, il y a du monde qui vont être bougés de leur maison, il y a du monde qui arriveront plus, il y a du monde que le travail n'existera plus. That's life, ça a toujours été ça. Ça a toujours été, ça et ça sera toujours. Il y aura toujours des crises. Mais là-dedans, il y a du monde qui vont devenir riche, il y a du monde qui vont prendre leur place, il y a du monde qui vont se réinventer comme coupe il y a du monde qui vont voir des opportunités. Ça a toujours été ça. C'est des crises. C'est des crises. Fluctuation, expansion, contraction. Mais c'est clair, ça sent bien comme un grand train. Et, et, et en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va traverser tout ça avec euh, de la prospérité? Notre éveil de conscience. Combien qu'il y a de personnes qui m'écrivent en disant, François, si je ne t'avais pas eu dans le COVID, je ne sais pas si je serais encore là. Parce que tu m'as aidé à prendre de la hauteur. Tu m'as aidé... Et c'était des situations de crise. Il y a plein de gens là qu'on a perdu dans le Covid, là. plein de gens là qui ont ah, ils ont crashé le coup, ils ont crashé les finances, ils ont crashé, ils ont tout crashé, ils sont, dé sont dépressifs, ont tombé sa médication, ne se connaissent plus, c'est l'anxiété qui les contrôle, qu'est-ce qui se passe avec le monde tout ça Parce qu'on n'a pas outillé la conscience. On n'a pas outillé l'esprit à la compréhension du vivant. Les vivants passaient à travers le vaccin, le COVID, les gouvernements, les complotistes, les réseaux sociaux, les, le, de tout. Ils passaient à travers tout ça. Tout ça, c'est des vérités qui existent. On peut regarder dans toutes les directions. C'est des vérités qui existent. Toi, est-ce que tu utilises ton pouvoir de choisir afin de mettre ton attention sur ce que tu veux voir, sur ce que tu as envie de venir expérimenter? Alors moi, ma job, quand que je viens partager, ma job, c'est pas de dire « Pensez pas de même, pensez pas de même, pensez de même, on est en train de se faire avoir. » Non, non, je suis en train de dire « Hey, sais quoi? Ça, ce que les complots disent, c'est vrai en Estie. » Hey, le gouvernement, estie, ils ont pas de sens. Compagnie pharmaceutique, presse des ils sont en train de contrôler le monde. Après ça, eux autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça n'a pas de bon sens. L'autre, le Bouddha, qu'est-ce qu'il dit? Hein? « Moi, je suis juste, je prends de la hauteur, puis regardez toutes les possibilités possibles. » Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu as gagné le ticket, le billet pour venir jouer dans ce grand jeu de la vie-là. Toi, tu as gagné ça. Toi, ton, ton, ton pouvoir, ton privilège, c'est de choisir ce sur quoi tu vas mettre ta lumière, ton attention. Parce que le moment où tu vas mettre ta lumière, ton attention sur quelque chose, c'est ça qui va fleurir. Les complots, les gouvernements manipulateurs, les entreprises qui nous contrôlent, le capitaliste, les gens dangereux, les requins, sti. Ou bien non, ce que tu as envie de voir fleurir, le monde de possibilités, de prospérité, de guérison, d'éveil de conscience, tout ça est en train de se produire, c'est toujours produit, se produira toujours. Ta job, c'est d'éveiller ta conscience et d'aider les autres personnes à éveiller leur conscience pour qu'il y ait, on appelle ça, une masse critique de personnes qui éveillent leur conscience, qu'on emmène ce nouveau monde-là. Respire, François, calme-toi. Le pouvoir, c'est nous autres qui l'avons, la gang. Faut arrêter de ruminer parce que quand tu rumines et tu pointes quelqu'un, tu es en train de jouer dans le même jeu. Tu mets ta lumière sur ce que tu ne veux pas voir. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu fais du mieux que tu peux avec les outils que tu as, ton niveau de conscience, ton niveau d'intelligence. Maintenant, ta job à toi, hein, c'est un des c'est le cinquième accord Toltec. Ta job à toi, c'est de garder. Sois sceptique, mais garde l'esprit ouvert. Apprends à écouter. Apprends à écouter. Parce que c'est grâce aux contractions. mais ici, ma cocotte. C'est grâce aux contractions, aux pertes de sens. Pensez-vous que le poussin, quand il sort de son œuf, je vais vous imiter mon imitation de poussin qui sort de son œuf. Pensez-vous que le poussin, quand il sort de son œuf, pensez-vous que c'est confortable? Pensez-vous qu'il est bien? Pensez-vous qu'il voit un sens à sa vie? Pensez-y quand vous avez sorti de papa-maman, c'est comme est -ce que la vie a un sens, c'est beau la vie, hein? Non! Non, 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 La vie, quand elle a une perte de sens, c'est parce qu'il y a un nouveau sens qui est en train de se créer. Mais il va falloir que tu accueilles cette perte de sens-là et que tu nourrisses ta foi et une direction dans laquelle tu as envie de fleurir. Voici ton véritable pouvoir, on appelle ça le pouvoir de ton intention, ton pouvoir de choisir. Qu'est-ce que tu veux voir fleurir? Tu es le plus grand miracle du monde, tu es la plus belle merveille du monde. Tu as une capacité d'autogénération, de te transformer dans tes mémoires, dans tes croyances, dans tes programmations, dans ta façon de percevoir la vie le plus grand miracle. T'es pas le passé, t'es pas tes parents, t'es pas tes frères, tes sœurs, t'es pas tes, 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 tes clients, t'es pas tes voisins. Ils sont, ce sont tous des êtres divins qui ont le pouvoir de se rappeler qui ils sont. Ils, ils font leur chemin à leur propre rythme, mais toi, tu dois te mêler de tes affaires et t'occuper de ton véritable pouvoir et arrêter de ruminer, de critiquer, de pointer les autres. Parce que tu te rends juste pas compte quest ce qui est en train de se passer. Parce que si vous saviez à quel point tout ce qui est complotiste, tout ce qui est influenceur, tout ce qui est early adapteur, tout ce qui est travail pour les, ceux et celles qui ont envie de manipuler. C'est fou, on se rend juste pas compte de tout ça. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, on met l'attention sur ce qu'on ne veut pas, quand on met l'attention sur ce qu'on ne veut pas, pouf, on propage le véritable virus qui est la peur au travers de tout ça et qui a l'avidité par rapport à quelque chose, par rapport à l'argent. Et c'est OK. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi je trouve ça beau tout ce qui est en train de se passer. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Les résistances sont essentielles. Ça serait un peu con moi de dire Je suis à la face, c'est un peu chaud. Particulier hein. À chaque fois je sais, je faut que je vous parle, je sais pas ce que je vais dire puis j'arrive, salut ma baguette, puis whoop, je partie sur d'autres choses. j'avais sorti deux trois photos avant de commencer, puis ça ben là je m'en vais pas là-dessus. J'oublie que je voulais dire L'échapper. Euh, je t'ai rendu où, là? Quelqu'un, quelqu juste le temps que je prenne une gorgée d'eau, quelqu'un veut me dire que je t'ai en train de dire quoi? Early adapter, Et là, j'ai un blanc. Est-ce que c'est grave? J'ai 200 personnes, 300 personnes, j'ai 400 personnes avec moi avec un blanc. Un blanc, un blanc. Cela aussi changera, ça restera pas tout le temps. Voici un blanc. Donc, il y a 200, 300 personnes qui me voient avec un blanc. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, savez qu'est-ce que je fais? Je respire. Avant, je n'étais pas capable de donner un oral à l'école devant 17 personnes parce qu'ils allaient m'observer pendant que... Mais non. Mmh! Élise, c'est tellement ça. C'est génial ce qui arrive. Je serais, euh, euh, je manquerais de cohérence totalement si j'étais en train de dire à ma gang, non la gang, faites pas ça, on devrait pas faire ça, c'est pas comme ça, la vie c'est spirituel, tu dois mettre tes mains de main quand tu médites, tu dois t'en aller dans un ashram, faire brûler de l'ensemble, mets-toi des malas, fais-toi des gros tattoos partout, va marcher compostelle, puis après ça va t'envoyer le délai là-bas, c'est comme ça, tu vas atteindre l'illumination puis tu vas être heureux, avec une vie remplie de, de, de succès, puis tu dois méditer à tous les jours, faire tes salutations au soleil, boire ton jus vert, tu dois tout faire ça, parce que sinon tu passes à côté de ton bonheur. Comprenez? Si j'étais en train de faire ça, c'est parce que j'aurais une conscience endormie. Si j'aurais. Si j'aurais. Si j'aurais. Si non, pas. Si. C'est parce que j'avais. Bref, comprenez, j'ai dit si irait, mais ça, faut pas dire ça. On va le couper au montage. OK? C'est pas grave. Le but, si, si j'étais en train de faire ça. Si était, oui, ça se fait. Si j'étais en train de faire ça, c'est parce que je vous dirais comment vivre la vie. Non. C'est grâce aux résistances. Que, que, que... à cause de mon burn-out, à cause de ma faillite, à cause des pertes de sens, à cause de la croissance que je peux avoir eue, à cause des problèmes financiers, à cause du surplus financier, à cause de... à cause de toutes les pertes de sens et les résistances que je me trouve. Donc comment veux-tu que ça soit autrement à l'échelle de l'humanité C'est la même affaire. En fait, faut pas s'intéresser à sauver le monde. On n'en a rien à foutre. Le monde n'a même pas besoin d'être sauvé. C'est là la grande désillusion. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Le monde a besoin de retomber en amour avec la vie à l'intérieur de nous. La vie dans la plante. La vie dans le COVID. La vie dans euh, les pensées de chacun, dans les résistants, dans ceux et celles qui ont la conscience endormie, dans ceux et celles qui sont éveillés, dans les génies, dans les, les recherches. Dans... On doit tomber en amour avec le vivant. Et apprendre à se donner la main, au lieu de se juger, de dire « Ok, toi tu perçois ça ». Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et apprendre à éduquer notre esprit, tout le monde ensemble. Parce que même à travers la récession, même à travers euh, le vaccin, les COVID, même à travers euh, euh, l'isolement dans les maisons, même à travers la maladie, c'est possible de trouver à l'intérieur de nous la paix. Elle est déjà là, elle a toujours été là, et elle sera toujours là. Mais il faut avoir la ferme intention de vouloir avoir l'esprit tranquille avoir l'esprit en paix même si j'ai un style qui est impulsif là, pas impulsif mais intense présentement dans ce live là je suis profondément en paix j'ai une foi absolue pas en François Lemay j'ai une foi absolue au vivant qu'est-ce qui fait que je fais un live tout à l'heure j'ai l'appel de faire un live parce que j'ai une foi absolue que ça va se présenter je réponds à la vie, j'ai appris à m'intéresser au vivant, c'est pas le jubilo le vivant, ça favorise, ça favorise, ça favorise. rajouter des voyelles si vous avez besoin, ça favorise le vivant. Et moi là, ça, ce que je viens juste de faire, là, avant, 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 avant,

ça, c'est utile. Cette phase-là est utile. Cette phase-là est utile. Cette, Cette plante-là est utile. François y est utile. L'Internet est utile. Facebook est utile. Ton, ton, le brouillard qui est là aujourd'hui est utile. Les feux de forêt sont utiles. Euh, euh, les inondations sont utiles. Les abeilles sont utiles. Les pertes de sang sont utiles. Il n'y a rien qui n'est pas utile. Tout est favorable à la guérison et à la prospérité peut-être pas dans l'espace qu'on aimerait que ce soit. Il est là le gros problème. C'est qu'on voudrait contrôler ou, au lieu d'apprendre à se tolérer, au lieu d'apprendre les différences euh, de, 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 de perception, de compréhension, les différences de rythme. C'est pour ça qu'il faut élever notre niveau d'intelligence, notre niveau de conscience. S'intéresser à l'humain, s'intéresser au divin, s'intéresser au vivant. C'est ça la clé. C'est ce qu'il y a de plus beau. Intéresse-toi à la vie. Pas à la spiritualité. Moi, je suis un être spirituel depuis que j'ai fait une retraite l'autre jour. On a rien à foutre que tu sois spirituel. Bou euh, Bouddha c'est un être spirituel. Poutine c'est un être spirituel. Tout le monde tout est spirituel. Il Faut peut-être que tu changes ta compréhension de la spiritualité. C'est pas en faisant Compostel que tu deviens spirituel. C'est pas en faisant des beaux posts sur Facebook puis en montrant tes yeux, euh, tes yeux, je sais pas jaunes que tu es spirituel. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais rien le dit quand même. Tout le monde est spirituel. Certains avec une conscience endormie, certains avec une conscience davantage éveillée. On veut arriver à unir toutes ces polarités-là. On est tous utiles au travail de tout ça. Et notre gang, ceux et celles qui cultivent la conscience de plus en plus, on doit se donner la main puis regarder ensemble qu'est-ce qui fait plus de sens. Assurez-vous que vos pensées, vos discussions dans une journée, comprenez-la. -le. Les pensées, les partages, les likes, les commentaires. Euh, une discussion avec ton enfant, avec ta femme, ton investissement financier, comprends une chose que tout ce que tu fais, là, tu es en train de faire fleurir un jardin. OK? Est-ce que tu investis ton énergie dans ce que tu veux voir fleurir? Ou tu investis ton énergie dans ce que tu ne veux plus voir? Mais si tu investis ton énergie dans ce que tu ne veux plus voir, c'est exactement ce qui va fleurir. Ce à quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. On est des êtres d'énergie. Ça, ici, là, ça, c'est les mains de mon véhicule que mon esprit, que mon corps, que mon inconscient emmène devant. Et là, c'est mes babines qui arrivent à. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein? Mon âme traverse mon esprit et mon corps et parle et a appris à pousser des mots. Le, le mot, mot, mot. Le mot, mot. Le mot, mot. Le mot, mot. Ça veut rien dire. Le mot, mot. Mais vous, vous le comprenez parce qu'on vous a éduqué à avoir une perception que le mot « mot » signifiait « mot ». Comprenez Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent ou tout le monde est parti. Oui, le mot « mot » signifie « mot mais, ». Mais ça ne veut rien dire « mot ». Vous comprenez euh, ?« euh, euh, Téléphone, téléphone. » Le mot « téléphone, téléphone. » Oui, mais dans une autre langue, ça ne veut rien dire « téléphone ». On s'est juste fait éduquer un esprit avec une association que ça le mot mot veut dire mot mais c'est quoi mot il n'y a rien qui existe on se fait juste conditionner puis c'est pas la faute de personne et si on apprenait à prendre de la hauteur à se déconditionner à sortir de cette illusion énorme qui nous contrôle constamment à se rappeler notre nature profonde et la clé la gagne c'est pas de chercher à devenir spirituel c'est pas de commencer à faire des méditations tous les jours, les matins, ça va aider par contre parce que ça va créer de l'espace, ça va apaiser l'esprit ça va te ramener à la connexion de ta nature profonde juste le silence, là. juste ça là juste ça là juste ça là, juste juste observer là le silence et mon corps se relâcher, se détendre, de rien à faire, se réaligner, s'ancrer et avec la répétition, se connecter et revenir dans un, senti un, un sentiment de complétude. Libre et disponible à venir jouer dans la vie. Et quand on ouvre les yeux, pouf! Je retrouve ma personnalité. Hein, la personnalité, j'ai un ego aussi. Je retrouve ma personnalité de mon ego. Et mon ego est un messager. Hein? Mon, 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 ma vie présentement, là, je m'en sers comme étant messager, il y a un message qui passe à travers moi. Il y a mes babines qui jouent, mon corps qui s'autorégule, mes mains, tout ça. Mais c'est mon âme qui, qui, tra qui traverse mon esprit et mon corps. Et il va arriver avec son autodérision, ses beaux messages, sa sagesse. Sa... Il va avec tout ça, puis c'est pas grave. On... On pas... C'est pas parce que tu marches un chemin spirituel que tu vas devenir de plus en plus calme, namasté, de plus en plus calme, namasté, de plus en plus calme, c'est comme ça, ça se passe, de plus en plus calme de l'encens, de plus en plus calme des malas, de plus en plus calme des, des... des, vis... des visages de Bouddha, de plus en plus calme. Non Non, 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 non Tu vas être de plus en plus sage quand tu vas être incarné ici dans la matière, c'est là que ça joue, mais avec tolérance des différences. Si tu t'isoles parce que tu crois que tu es rendu meilleur VG, meilleur euh, euh, simplicité volontaire, meilleur dans ta petite commune, meilleur que toi tu consommes pas puis tu fais ton jardin, tu jettes pas des fruits qui proviennent de différents pays. Si tu fais ça, tu t'isoles du tout et tu souffres. C'est d'arriver à comprendre qu'il y a une, une différence de perception et à cultiver ce que toi, tu veux voir, mais mêlant tes affaires et que les autres ne te dérangent pas. Ça, c'est un véritable signe de sagesse. C'est de dire, OK, il existe différentes façons de voir les choses. Ça ne veut pas dire que tu vas faire comme les autres, mais au moins, ne sois pas esclave de ce que les autres fa fa font. Sois pas esclave de. Ah, oh, moi, je crois que c'est pas comme ça. Ma mère devrait pas faire ça. Mon frère devrait pas faire ça. Il devrait pas être comme ça. Il aurait pas dû dire ça. Puis il devrait pas consommer ça. Puis il devrait pas. Mêle-toi de tes affaires. Occupe-toi de ton jeu. Apprends à guérir. Apprends à t'aimer. Apprends à aimer. Apprends à tolérer. Apprends à te détacher de ton besoin de contrôle. Oui, mais François, comment qu'on fait pour se détacher? C'est vraiment difficile de lâcher prise. respire Respire, par ton nez ici, il faut juste que tu apprennes à respirer. Écoute le silence. Si tu écoutes le silence, ça va créer de l'espace dans ton esprit. Ton corps va se relâcher. Tu seras plus un, ton système nerveux avec le temps de survie. Ah! Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour vivre. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà le plus grand miracle du monde. Et si tu passais ton temps à écouter ce type de vidéo-là, Paf, ton esprit va se, se modeler, hein, il va se, se transformer, parce que c'est la neuroplasticité du cerveau. Tous les schémas vont se transformer parce que tu nourris ton esprit. Mais l'affaire, la, la, c'est qu'après moi, il y a d'autres vidéos qui passent. Hein? Il, y a euh, euh, il y a des peurs qui vont passer. Il y a les, les, les nouvelles télévisées qui vont... Il y a de tout. L'équivalent de ta conscience, l'équivalent de notre conscience. Notre choix, c'est de mettre notre attention sur ce que l'on veut voir fleurir en nous et autour de nous. C'est un art de vivre. Et, et sans se prendre au sérieux, parce que mon quotidien là, la gang ne me prends pas trop au sérieux. Hein? Je ne me prends pas trop au sérieux avec l'éveilleur de conscience que je suis. Avec, euh, Je me prends pas au sérieux, ben, pas du tout avec ça. Attends, je tripe ma vie. Je suis pas chat quand qu il faut être pas chat. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut, faut jouer et créer une vie comme on aimerait la jouer et la créer. Si tu as besoin de simplicité, amène de la simplicité. Si tu as besoin d'avoir de la légèreté, amène de la légèreté. Si tu as besoin de ne pas te prendre au sérieux, amène ça. Cultive ce que tu veux voir dans le monde. L la game, le billet, c'est toi qui l'as gagné. C'est toi qui l'as gagné. Et pour être capable de, de, de savourer pleinement le potentiel de ton privilège de venir jouer ici, intéresse-toi à ce qui fait prospérer le vivant et sois vigilant sur ce qui détruit le vivant. Et après ça, comprends que le monde se tient et se tiendra toujours parce que c'est yin et yang et il y aura toujours des gens qui te diront que la vie c'est comme ça. Mais oui, mais eux, ils ont pris leur billet pour venir jouer comme ça. Mais dis-leur pas que la vie c'est pas ça. Parce que si tu te bats à leur dire que la vie c'est pas ça, tu joues avec eux. Tu passes le temps, ton privilège de vie de leur dire que la vie c'était pas ça. mais toi de tes affaires. Qu'est-ce qui te dit que Laurent n'est pas venu expérimenter ça? Et en expérimentant ça, ils te font chier, ils te font réagir. Mais oui, mais ils sont en train de t'enseigner le détachement, l'amour, la tolérance. Apprends à prendre recul, à créer de l'espace, à revenir. À Achète-toi à une plante, va marcher dans la nature. Observe, just observe. Calme ton esprit, vois à quel point. Observe, vois. Observe les paysages. Ta respiration. Le calme, les ruisseaux, les oiseaux, les animaux observe comment ça fait du bien à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas trouver ta réalité. Mais apprends à sortir de ta tête de la brèche, la grande brèche du web, du métaverse, de tout ce qui est l'autre côté, parce que tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Et tu vas retoucher régulièrement à ton sentiment de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, à te comparer avec les autres, à en vouloir un monde qui n'a pas de sens, mais un monde que tu nourris, que tu cultives d'instant en instant et qui n'arrête jamais ça va prendre un grand switch. Et c'est ça qu'on est en train de faire tout le monde ensemble. Et ce virage-là, ça va, va, ça va prendre quelques personnes qui vont dire, OK. OK, OK, on fait ça. OK, doucement, 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 doucement. Et à un moment donné, ça va basculer comme ça, puis on va tomber dans une nouvelle version. Internet n'existait pas avant. Le téléphone n'existait pas avant. La télévision n'existait pas avant. Les voitures n'existaient pas avant. Avant, avant, les, cont les continents étaient connectés ensemble. Il y en a eu des changements avant, avant nous, la gang. Là. Il y en a encore. Le beau privilège que l'on a présentement, c'est qu'on a accès à l'Internet pour s'éveiller en masse. Ça, c'est le gros privilège. Le gros désavantage, c'est que l'évolution se passe à une vitesse astronomique, en fait, et qu'on devient extrêmement saturé, et saturation égale déconnexion. Et, et, et pouf, on passe à côté de notre vie. Combien qu'il y en a qui viennent s'incarner, qui passent à côté de leur vie constamment ici, puis qui ne vont pas être en couple, qui ne vont pas devenir les génies qui sont supposés de devenir, qui ne vont pas créer ce qu'on. Ce n'est pas grave. On apprend avec la race humaine à s'éveiller. Et toi, la vérité, tu la sais à l'intérieur de toi. Tu le sais si tu passes trop de temps là-dessus. Tu sais, si tu tendance à te comparer avec plein de monde, reviens à la base. C'est ça que ça nous invite à faire la pleine conscience. Tout simplement de revenir à la base de ce qui est. Est-ce que je l'ai, la définition ici juste pour vous la montrer, pour vous aider à mieux comprendre? Pa -pa pam 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 pam. Euh, ma... pas je voulais vous la trouver dans quelques instants. Hop, hop. Je ne sais pas si ce live-là fait du sens pour vous. Je vais lire, je lis toujours tous les commentaires par la suite, hein la gang? Euh, je veux juste vous trouver, vous mettre en plein écran, c'est quoi la pleine conscience intégrative? Boom, juste ça ici. Je vais vous mettre avec ma face, comme ça. Ce que j'enseigne. La pleine conscience intégrative, c'est l'art d'être attentif et vigilant à l'instant présent. Chou! Si je suis attentif et vigilant à l'instant présent, mon esprit se calme. Boom, désaturation. Wow, relâchement dans mon corps, de mon système nerveux. Génial. La paix s'effectue, l'ancrage s'effectue, l'alignement s'effectue, la connexion s'effectue. Bam, on revient dans notre nature profonde. Un réalignement de l'âme, du corps et de l'esprit. Il manque absolument rien. Le bon Dieu, c'est un génie. Il s'est dit, hey, c'est simple. Il va falloir juste qu'il regarde dans l'instant présent, puis qu'il s'entraîne, puis qu'il développe des mécanismes à être présent. Mais si on est dans la brèche, on n'est jamais présent. C'est impossible, ok C'est pas grave. On veut être attentif et vigilant, tout simplement, à l'expérience de vie interne et externe, autant dans ce que tu fais dans ton monde intérieur que dans ton monde extérieur. Dans Mon monde intérieur. Il y a de la chaleur, OK? Je transpire en dessous des bras, je transpire sur ma moustache, j'ai une pression ici au niveau du cœur, du plexus. OK, il y a un relâchement parce que là, je retrouve le calme à l'intérieur de moi, mais dans le monde extérieur, OK? Il y a du vent ou les arbres, il y a des différentes profondeurs, différentes couleurs, différentes lumières. Je vois les commentaires défiler, je vois mes bras avec mon crayon. Ça, c'est le monde extérieur. Je suis pleinement attentif et vigilant au monde extérieur au monde intérieur. Mais suivez-moi bien. Suivez -moi bien. Okay? C'est d'observer d'accueillir cette expérience-là. Just observe. J'observe autant. Pas, oh my god, j'ai une, une pression au plexus solaire, ça, ça veut vraiment dire que mon chakra du truc est bloqué. Non, non, pas arrête de faire des suppositions et des associations très rapides. Il y, a une il y a une pression au niveau du plexus, il y a une pression au niveau du plexus. Voici ce que je fais comme expérience. Okay? Des commentaires, des commentaires. J'ai chaud, j'ai chaud. Voici les températures. Cela aussi changera. Okay? J'observe autant le monde extérieur que le monde intérieur. Okay? J'observe et j'accueille. Bon. L'opposé, c'est jugement. Donc, sans jugement, ah, c'est là qu'on perd beaucoup de joueurs parce qu'il y a un manque d'éveil, il y a un manque d'intelligence. Donc, il y a un manque de maîtrise. On porte un jugement sur tout ce que l'on voit. Donc, on décroche la pleine conscience. Avec la conscience de l'impermanence, qu'est-ce que ça veut dire, l'impermanence? L'impermanence, ça veut dire que cela aussi changera. Ce que tu fais comme expérience, cela aussi changera. Le COVID, la pandémie, les, 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 les décisions gouvernementales, la température, le brouillard, la fleur qui va éclore, la, 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 la récession peut-être qu'il y aura, le, le désir de s'en aller dans un metaverse, François qui en, il en a peut-être trop fait sur les réseaux sociaux puis tout ça. Tout change, il n'y a rien qui change pas à moins qu'on soit conscient, inconscient puis qu'on juge. À quoi tu ré... quand tu juges, tu résistes. Sur à quoi tu résistes persiste, OK Ça c'est ici là, ça ici là, c'est la pleine conscience. OK Moi j'enseigne la pleine conscience intégrative. Alors la pleine conscience intégrative, c'est quoi C'est l'art d'être attentif et vigilant à l'expérience que je fais autant dans le monde interne que dans le monde externe. C'est d'observer et d'accueillir cette expérience-là, sans jugement, avec la compréhension d'Anitcha. Anitcha, ça veut dire le changement, avec la compréhension du changement. Tout change, OK? La pleine conscience intégrative, c'est ensuite choisir intelligemment, au meilleur de ma conscience et de ma connaissance, la meilleure réponse adaptative qui va favoriser la guérison et la prospérité. La guérison et la prospérité, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Guéri, tu vas prospérer. Cherche la prospérité, ça ne veut pas dire que tu vas guérir. Emmène de la guérison dans ta compréhension, dans tes blessures, dans tes croyances, dans ton corps. Emmène de la guérison dans ta façon de percevoir les choses. Arrête d'être limité et de juger. Emmène de la guérison de l'ouverture, de l'union, de la tolérance, de la compassion, de l'amour, de la bonté. Emmène hein? de la guérison sur toi et sur le tout. Par cause et effet, tu vas prospérer, c'est clair. Ce que je fais présentement, je vous aide et je m'aide hein, à se guérir. On est là pour se guérir ensemble. En hein. même de la guérison, c'est clair qu'il y a prospérité. Donc, c'est d'offrir la meilleure réponse adaptative, je reviens ici, dans donc le, le dernier en bleu, qui va favoriser la guérison et la prospérité. Quand je me rends compte que je trouve que ça n'a plus de sens ce qui est en train de se passer, si je pointe, si je juge, si je critique... Tout ça, je suis en train de l'amplifier. Je favorise pas la guérison et la prospérité. Si j'aime pas la plaie que j'ai et je l'aime pas, plus je la gratte, elle va juste s'amplifier. Si j'offre, si je, re, je prends conscience sans jugement, ah, oh, il y a une plaie, voici ce que je fais comme expérience. Je ne vais pas dire, j'aurais pas dû mériter ça, mais ben là, ta gueule, mets-toi tes affaires. Il y a une plaie qui est là. Génial. Qu'est-ce que je vais choisir comme réponse adaptative qui va, en comprenant juste avant, que tout change? Il y a une plaie, il y a un bobo, voici ce que je fais comme expérience, la plus grande vérité qui soit, cela aussi changera, tout change. Quelle est la meilleure réponse adaptative que je vais offrir à ce qui semble être une résistance, une blessure De l'espace, peut-être de l'aloise, la peut-être euh, euh, de, 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 de la vigilance pour ne pas me gratter, pour ne pas amplifier ce que je ne veux pas voir. Et par cause et effet, il va y avoir guérison et ma peau va prospérer et elle va redevenir nouvelle. C'est la, la vie, la vie se régénère d'elle-même. Alors, voici la pleine conscience intégrative. Je termine avec ça. Je, vous, je fais juste vous mettre plein écran, ceux et celles qui veulent prendre une photo de tout ça. J'enlève tout ça ici. Hop. La définition de la pleine conscience intégrative. C'est le, le dernier bloc qui est important là-dedans. La pleine conscience, c'est l'art d'être attentif et vigilant à l'instant présent, autant dans le monde interne que dans le monde externe. C'est d'accueillir cette expérience-là et de l'observer sans jugement. Et là, ça demande une éducation et de l'entraînement. Avec la conscience d'anitcha. Anitcha, 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 c'est l'impermanence. Avec la conscience que tout change, comme mon live va se terminer bientôt. Et ensuite, choisir intelligemment la meilleure réponse adaptative qui va favoriser la guérison et la prospérité. Et ça, ça demande de l'éducation de notre esprit. Parce qu'on ne sait pas comment agir, on ne sait pas qu ce qui est en train de se passer, on ne se rend pas compte que t on est au bout du rouleau, puis... Parce qu'on fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a, notre niveau de conscience, d'intelligence, qu'on répète comme maman, comme papa, comme la société, comme... À un moment donné, il faut s'éveiller, il faut s'éduquer à soi, il faut s'intéresser à la vie à l'intérieur de nous. J'espère que vous avez trouvé du sens euh, dans ce live-là. Je m'en venais vous par parler du bal de finissant de mon garçon. <laughs> oh, c'est true? J'étais littéralement à côté de la plaque. Hein? Euh, je me suis dit, oh, je vais vous parler du bal d'anniversaire de, 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 de mon garçon. Euh, pas pas d'anniversaire, mais ça, je vous le partage quand même. Je le trouve trop beau, mon petit bonhomme. Regardez. Oh, je peux-tu faire ça comme ça? Non, je vais vous le partager avec ses amis. Restez moi, c'est lui à droite, complètement, Xavier. OK? Je m'en venais vous parler de tout ça, à quel point que ça évolue, puis que je l'ai vu grandir. Puis c'est la fin de son regard, puis tout ça. Mais ça avait l'air que la vie m'a emmené sur d'autres choses. Je savais que je devais vous parler, mais c'est comme ça, ça se passe à travers moi. C'est pour ça que j'appelle ça dans le flow. C'est comme il y a quelque chose qui passe, puis on s'en va dans cette direction-là. Mon intention, de la gang, c'est jamais de vous dire comment vivre votre vie. Tombez en amour, soyez des chercheurs, ne cherchez pas à devenir un expert de la vie. Il n'y a pas aucun expert en la vie, même pas les scientifiques, même pas les... Tout le monde cherche, trouve, gratte et il trouve la direction dans laquelle il gratte. Ce qui est important, c'est ton état interne. Ça, il n'y a rien de plus important. Tu es venu ici pour filer la vie. Tu es venu ici pour ressentir la vie. Et tu es responsable de ta façon de réagir. Hein? À, à, à ce que tu ressens. Tu es responsable de te nettoyer, de te guérir, de purifier ta conscience de tes illusions, de tes croyances limitantes, de tes perceptions limitantes, de t'ouvrir à la pleine conscience pour manifester une vie pleine de sens et de conscience. Ton père ne te l'a pas appris, ta mère te l'a pas appris, euh, tes frères, ton, tes voisins, parce qu'ils ne savaient pas, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient là, au niveau de conscience d'intelligence. Toi et moi, on fait la même affaire. On se donne la main, on s'éveille ensemble et, et, et on tombe en amour avec la vie. Alors, euh, en terminant, un mot. Un mot. On finit juste avec un mot. Juste un mot que vous retenez. Mettons votre esprit a reçu tout ça. Un mot du live qu'on a passé ensemble. Je veux juste lire ça en terminant. Donc, j'ai un petit 10-15 secondes. Euh, merci, François. Génial. Merci tellement. Je lis toujours vos commentaires par la suite, OK? Donc, euh, merci. L'heure d'une dîner amusante pour moi. Plaisir. Tolérance. Ça commence à rentrer. Tolérance. Euh, euh, Ok, là vous voyez la photo de mon garçon, je vois le délai. Ok, désaturation, hors de vivre, tombe en amour avec la vie, euh, tellement, amour, gratitude, ici, maintenant, amour, attention, tout change, adaptation, l'art, magie, besoin, Ubuntu, merci, sans jugement, acceptation, vérité. Comprenez la gang là, vous êtes en train de dire, hey, c'est ça qu'on vient de manger. On vient de manger de la vérité, on vient de manger euh, euh, de la pleine conscience, de la joie, de l'énergie. Imagine à quel point ça nourrit la conscience. Et plus on se nourrit avec ça, plus notre esprit se, se transforme et plus on a accès à différentes consciences et on apprend à faire la paix. On a besoin d'être. Et, 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 et ce que je suis pour vous, vous l'êtes pour vos amis, vous l'êtes pour vos enfants, vous l'êtes hein, si vous vous permettez de l'être. C'est pas une affaire d'un gars ça, et sa communauté, c'est. La communauté elle est beaucoup plus grande que toutes ceux et celles qui regardent mes lives. Euh, la présence, la liberté, ici maintenant, gratitude, détermination. Good, génial. Et croyez-moi, la gang, si vous étiez sur ce live-là, c'est parce que vous aviez besoin d'être sur ce live-là. Il n'y a pas d'hasard. Si moi, je suis dans mon divan ce matin en répondant à tout le monde qui me souhaitait bonne fête, puis ça fait comme Ah, je vais faire un live, et je fais un live, et que vous vous ramassez par pur hasard parce que je l'ai annoncé une heure avant sur ce live-là, on se ramasse 400 personnes. Il n'y a pas d'hasard. Vous aviez besoin d'être là. That's life, c'est la loi de la résonance. Prenez ce qui vous fait. Et assurez-vous de cultiver une vie qui fait de plus en plus de sens avec vous. Merci d'être dans ma vie, ma belle communauté. Merci de tout votre amour, je suis tellement privilégié, de votre attention. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour créer une vie pleine de sens, pleine de conscience. Soyez, soyez vigilant sur ce sur quoi vous portez votre attention. Parce que quand vous portez votre attention sur quelque chose, vous êtes en train de faire fleurir ça. Dites-vous une chose, c'est que vos enfants sont en train de vous prendre en modèle. Hein, la société est en train de vous prendre en modèle. Vous êtes le responsable de ce petit enfant-là intérieur qui avait un jour 5 ans. Assurez-vous de créer une vie qui fait sens pour vous. Je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt. Salut, ma belle gang!